Ok, donc rebonjour à tous et bienvenue. Donc moi je tourne à la suite et vous donc ça fait une semaine plus tard. Je vais pas refaire mon intro MDG, bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG Normandie, hein. On va se passer de ça. Donc oui, donc on devait cliquer sur fin du tour. D'accord, ouais. Ok, donc lui il est arrivé. On va partir par où? On va partir par là. On va savoir ce qu'il y a par là. Oui, je sais, ma base n'est pas défendue et c'est assez dangereux. Mais que veux-tu? Bah à la limite, on va faire ça. Ouais, toi, tu vas revenir et tu vas venir défendre la base. Donc on va voir comment on va défendre, comment on défend une base. Ok, et on a donc notre première base prête à être construite. Donc on appuie sur B. Ou alors c'est clic droit et fonder une base. Nouvelle Arzamas. Alors je connais pas du tout les références forcément hein, de ce qu'il y a dans Alpha Centauri. Provost MDJ de Normandie fonde la première base humanité depuis l'arrivée sur la planète. Oh wow! Et c'est même moi qui bâtis la première base. Waouh quoi. Fondée en 2122. Ok. Laser Squad. Ouais. Faudrait créer des formeuses. Hein. Faudrait absolument qu'on crée des formeuses. Mais... Et celle-là est en croissance dans 21 tours. Ok. Ah génial, une formeuse. Les formeuses, qu'est-ce qu'on va faire? On va la faire créer une forêt ici. Alors d'habitude je les mets en automatique. Voilà, automatiser l'unité, donc elle va. Donc si je fais ça, elle s'occupe elle-même de faire ce qu'il y a à faire. Mais là je vais un peu gérer par moi-même. Et ce qu'il me faut, c'est une forêt. Et je sais plus comment on fait. Non, c'est pas là, c'est dans menu. Terraformer, c'est là. Et puis bâtir. Ouais, planter forêt. Et ça dure 4 tours. Et le raccourci, c'était majuscule F. Ok, d'accord. On pourrait également supprimer les fonds juste, mais ça, on verra plus tard. Ce tour est terminé. Si vous découvrez un meilleur style de vie que la tenue d'un emploi public pour vos futurs dirigeants, une cité bien gouvernée devient possible. Car c'est seulement dans un tel état que dirigeront ceux qui sont réellement riches, non pas d'or, mais de la richesse qui fait le bonheur, une vie bonne et sage. Platon, La République, liaison de données. Voilà, donc vous voyez, donc on a une référence à Platon, carrément quoi. Alors évidemment, tout ce qui est dit dans Alpha Centauri, évidemment, ça peut être sujet à débat quoi. Attendez, style de vie est tenu par un emploi public de vos futurs dirigeants. Voilà, donc tout ça peut être discutable parce que ça, c'est de la politique, c'est comment est dirigée une république. Enfin, c'est tout ça peut être sujet à débat, hein, tout ce qui est là-dedans, donc c'est super intéressant, même encore aujourd'hui, hein. Donc voilà, donc on a découvert la psychologie sociale, donc qui nous permet après de développer les technologies, doctrine loyauté, calcul ethnique et secret du cerveau humain. Hein, secret du cerveau humain, c'est assez intéressant. Et on a développé les aires de jeu, ouais, j'ai pas eu le temps de les lire. Donc les aires de jeu, ce serait sympa de les développer, au moins sur notre base principale. Je sais pas pourquoi il veut absolument créer les réservoirs de recyclage, mais nous on va développer les aires de jeu. Parce que ça c'est intéressant, ça permet d'éviter notamment les attaques de droïdes. Est-ce qu'on peut... Ouais, alors autre chose, quand on clique sur la base là, ça va réoptimiser en fait l'exploitation des ressources. Donc là, je crois que c'était quoi? C'était ça. Ok, donc on a un de moins en nutriments, donc on va avoir une croissance moins élevée. Par contre, on a plus de minéraux, ce qui signifie qu'on va pouvoir ici développer beaucoup plus vite nos technologies.
Et au niveau de l'enjeu, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok, c'est pareil. Et à mon avis, la foreuse, voilà. Et la foreuse, elle a fini. Est-ce que j'ai accès? Non, c'est trop loin. Par contre, ici, ça va pas être trop loin. Non. On va l'automatiser. On va l'automatiser. Donc, si je me souviens bien, c'est majuscule A. Ce tour est terminé. Non, c'était pas majuscule A. Parce que c'est censé m'afficher. Ouais, non, 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 annule les A. C'est contrôle A. Non, non plus. C'est pas A tout simplement, non plus. Comment on automatise une unité? Ah d'accord, action tiens. Non, 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 c'est pas ça que je voulais. Automatiser formeuse, majuscule A, bah c'est pourtant ce que j'ai fait. Bon allez, hop. Voilà. Eh ben il va bâtir une route, hein. Ben, d'accord, ok. Ce tour est terminé. Ok, donc là-bas on arrive en bout de ville. Ok. Tout le caractère d'une base et de ses habitants peut être capté en une rapide visite aux aires de jeu. Les arènes d'entraînement de Fort Légion, les scintillantes salles de jeu de la Banque Morgan, les lieux de rendez-vous ensoleillés du jardin surélevé de Gaïa, les sombres salles de lecture du quartier général des Nations Unies, même la baie d'alimentation de la ruche donnent une vue désolée des démons endormis de l'utopie communautaire de Yang. Préfet Pravin Lal, histoire sociale de la planète. Comment il a déboîté la ruche. Bon, ok. On y va, donc... non, vue rapprochée de la base. Je veux... Donc on vient de... Ok, ah bon, on a même carrément bâti le premier bâtiment dans une base, parce que l'aire de jeu, c'est un bâtiment dans une base. Ok. Ok, d'accord, ça c'est parce que c'est... Ok, allez, hop. Ok, mon réservoir de recyclage, je vais absolument le développer, donc on va faire ça. Alors oui, alors c'est bon, j'ai ramené mon unité ici, donc maintenant je veux que cette unité-là défende ma base. Pour qu'elle le défende, j'ai qu'à appuyer sur H et elle va rester Ce dans la tour base est et terminé. donc la défendre. Et vous voyez donc que le 3 qui était avant sur un fond transparent est maintenant sur un fond blanc, c'est-à-dire que la base est protégée. Alors que si je vais... Voilà, sur la base nouvelle Armas, vous voyez que le 1 est sur un fond transparent, donc cette base n'est pas protégée. Un laser escouade est d'ailleurs en cours de production. Mais il me faudrait une formeuse avant tout. Bon, on va laisser le faire comme ça et on verra bien. Ok, donc notre formeuse est en train de faire une ferme pour les nutriments. Ce tour est terminé. Ce tour est terminé. Il n'existe que deux manières de considérer l'accord nécessaire de l'expérience avec la conception de ces objets. Soit l'expérience rend ces concepts possibles, soit ces concepts rendent l'expérience possible. Emmanuel Kant, critique de la raison pure, liaison de données. Ok. Donc voilà, on a du Kant, on a des trucs comme ça. Les secrets du cerveau humain. Donc ici, c'est une augmentation de la recherche, donc on Le va... progrès technologique est un processus intrinsèquement itératif. On ne peut pas simplement prendre le sable d'une plage et produire un capteur de données. Nous utilisons des outils grossiers pour élaborer de meilleurs outils, puis nos meilleurs outils pour élaborer des outils plus précis, et ainsi de suite. Chaque raffinement mineur est une étape du processus, et il faut en passer par toutes les étapes. Président Jenny Yang, en regardant Dieu dans les yeux. Ok, donc... Voilà, un petit peu la
la prétention de Yang, hein, en regardant Dieu dans les yeux, rien que ça. Bon, oui, je veux voir un petit peu sur quoi travaillent mes ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les laser batteries, ok, qui sont pas intéressantes, parce que quand les deux sont entre parenthèses, c'est des systèmes de bombardiers, c'est pas des systèmes c'est pas des systèmes intéressants. Donc ça, je le veux en obsolète. Les lasers, laser squad, c'est tout. Ok. Non, j'ai toujours pas mes 160 d'énergie, donc on va continuer. Oui, je veux toujours découvrir. Donc voilà, parfois, de temps en temps, hein, ils nous demandent si on veut changer de mode de jeu, si on veut passer d'un seul coup vers une recherche vers bâtir ou vers l'économie ou des trucs comme ça. Nous, on va rester dans tous les cas dans la découverte. Confirmation demandée. Je peux accélérer pour 40 crédits, on va le faire. Un peu pauvre là, je suis pas énorme au niveau crédit. Par contre, au niveau de la faction. Et par contre, je suis premier en faction, je suis la faction dominante. Le U, c'est moi, hein, universitaire. Et ceux qui sont les plus mal, apparemment, c'est le colonel Santiago, donc les Spartiates, et sœur Myriam, donc les dévots du Seigneur. Ok, c'est quoi la prochaine que tu cherches? Oui, bien évidemment, oui, évidemment. Le laser escouade, il en est où? Est-ce que je peux accélérer? Oui, crédit, j'accepte, ok. Il est du devoir ultime de chaque citoyen d'aller dans les réservoirs et de s'unir avec tout le peuple. Président Chen Yiyang, une éthique pour demain. Ouais, une éthique... alors, vu de rapprocher de la base, on va voir ce qu'il fait. Une caps colonie. Est-ce qu'on se fait une troisième colonie? Pas tout de suite. Change-moi ça. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Le génome humain. La bourse du commerce. Le paradigme météorologique. On va chercher sur le génome humain. Oui, par contre, c'est... Waouh, c'est 33 tours, hein. Et bon, on va faire ça. Projet déclenché. Hop, un projet. Production terminée. Hop, ça, on va le mettre en sauvegarde. Dans la base. Et il forme une formule, ça se passe bien. C'est ce que j'ai été faire. Insuffisante. Ok, on va pas griller. On va pas griller toutes nos. Toutes nos ressources. Ce tour est terminé. Je pense qu'on va faire des épisodes d'une demi-heure parce que ça. Ce tour est terminé. Parce que je veux vraiment vous montrer le background du jeu. Et donc, évidemment, ça va être un petit peu long. Donc, autant faire des épisodes de 30 minutes, je pense. Oui, juste un détail. Donc, les formeurs ont formé des routes. Sur les routes, les unités se déplacent plus vite. Donc, on gagne des temps des capacités de déplacement. Si vous voyez, ouais, là c'est marqué déjà déplacé. Alors oui, je suis désolé, j'ai mon bouton démarrer qui apparaît dans le jeu, je sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez mouvement 1 ici. Comment? Et donc ça veut dire que cette unité peut se déplacer d'une case tous les tours. Ou de deux cases tous les tours, parce qu'apparemment... Ok, donc la forêt se développe, voilà, puis bon, voilà, on va essayer de retourner là-bas. Ce tour est terminé. Une fois qu'un homme a changé son rapport avec son environnement, il ne peut pas retourner à l'état d'ignorance béate qu'il a quitté. Le mouvement, par nécessité, implique une perspective de changement. Préfet Pravin Lal, histoire sociale de la planète. Ok, d'accord, bon, donc la doctrine mobilité, donc qui amène vers la doctrine flexible et la doctrine loyauté. Donc on a changé donc les installations donc de centre de commandement, on a le centre de commandement, ah ça c'est intéressant.
Engin rapide et dans les divers on n'a rien. Ok. Montre-moi un petit peu ce qu'on a dans les engins rapides là. Ah d'accord, ce sont les. Ouais. Enfin, celle-là est pas très intéressant. Les reconnaissances tout terrain sont intéressantes. Les scouts. Les scouts non. Les reconnaissances tout terrain peuvent être intéressantes. Mais bon, les lasers restent mieux quoi. Ça non, ça j'en veux pas. Les scouts, ils ont un bon psy, mais franchement, niveau attaque et défense, obsolète. Ce tour Accepté. est terminé. Production terminée. Ok, on est une formeuse, Ce tour on est va terminé. l'automatiser. Le forêt se développe près de la base Ce universitaire, c'est tour très est bien, ça va terminé. nous rapporter de la bouffe en plus. Justement, en parlant de bouffe, vous voyez que ma qu'elle s'est pas mal développée là. Hop, voilà, on peut encore améliorer, on a gagné un en minéraux. Le projet de génome humain, ça avance. Énergie insuffisante. 518, 48. On va en payer en partie, on va juste l'accélérer un petit peu. Voilà, on a gagné 8 tours. Ce qui peut être avantageux. Toi, tu fais une caps colonie, c'est très bien, c'est ce que j'allais te demander. Énergie Ah oui, insuffisante. évidemment, je viens de payer pour l'autre, alors je peux plus payer ici. Ça serait cool si on avait les autres factions. On va demander à Laz s'il n'a pas une autre faction. Ah, et puis il a des propositions à faire. Alors, il nous demande la doctrine mobilité contre le réseau planétaire. Oh, je veux. Si notre société semble plus nihiliste que celle des ères précédentes, peut-être est-ce simplement un signe de notre maturité en tant qu'espèce consciente d'elle-même. Comme notre conscience collective s'étend au-delà d'un point crucial, nous sommes au moins prêts à accepter la vérité fondamentale de la vie, que le seul intérêt de la vie elle-même. Présidente Chen Yiyang, en regardant Dieu dans les yeux. Non, on verra ça plus tard. Je dois investir. Ok, oui, donc là il nous prévient juste qu'il a développé les Laser Squad. Alors là, il nous demande une technologie sans rien en retour. Donc moi, quand c'est comme ça, je demande un dédommagement, donc en crédit. Donc soit on peut refuser, soit on dit ok et on lui donne gratuitement la technologie donc là c'est écologie Centauri. Soit on lui dit d'accord, mais si tu me payes, coco. Ok, et il dit qu'il a pas la somme, donc enfin qu'il ne peut pas se permettre de payer, donc on lui dit désolé, pas de chèque, pas d'high-tech. Faites comme vous vous semble. Voilà, bon, voilà. Alors parfois ils le prennent mal et on se retrouve en voilà, mais généralement pour un refus de technologie, non, ils déclarent pas la guerre pour ça. Hein. Oui, et puis donc je voulais te demander, c'est est-ce que tu as les fréquences des autres factions? Qui est-ce qui nous intéresserait? Morgane peut-être? Non, tu l'as pas. Bon, on va les faire une par une, de toute façon. Non, tu ne l'as pas. Donc, tu n'as pas d'aide. Tu n'as pas. Est-ce que tu as Santiago? Non plus. Fréquence avec les autres factions. Est-ce que tu as Sœur Myriam? Non plus. Ok, puis il met fin à la conversation. Ok. Quand il met fin à la conversation, c'est même pas la peine d'essayer de le recontacter à ce tour-là, il va ignorer notre conversation. Donc faudrait vraiment qu'on cherche. Non, attends, toi tu vas laisser tomber tes ordres, tu vas partir vers le sud, on va bien voir s'il y a quelqu'un par là. Ce Hop. tour est terminé. Oui. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu me redemandes l'écologie Centauri? Par contre, j'ai un crédit. Non, non, bon, tant pis. Bah, merci Ce tour d'être est passé. terminé. Ok!
Ok, je suis désolé, je sais pas combien de temps j'ai raté, mais voilà, il y a le projet Génome Humain qui vient de se passer, vous avez peut-être raté la cinématique, j'en suis désolé, vous avez peut-être raté quelques tours également, j'en sais rien, j'ai pas fait attention à l'enregistrement. Le problème c'est que là j'enregistre avec Bandicam, comme je le faisais avec César 3, mais vu que j'ai changé de PC, j'ai plus la licence, j'ai perdu la clé de licence, et donc j'utilise la version de Bandicam non enregistrée, et toutes les 10 minutes je dois relancer le record. Et bien sûr j'ai pas fait attention au chrono. Donc désolé, bon j'ai développé le projet humain. Voilà. Donc un point de talent supplémentaire dans toutes les bases, ça c'est juste de l'amélioration des bases quoi. Ok. Et on est les premiers et on est toujours les premiers en plus sur cette partie. Donc on est franchement on a de quoi écraser les autres. Hein. Donc on a le premier projet secret de la planète. Et donc c'est le génome humain qu'on a développé. On va développer le prochain. On va continuer sur notre foulée. Le monde virtuel. Ah tu t'attaques directement à ça toi. T'es un fou toi. Bah écoutez, bah, on va continuer. Hein. Alors seulement est-ce que je peux... Ouais, je peux encore développer. Ah, c'est cool. Donc toi, t'as rien découvert. Ok. Apparemment, je dois être sur un espèce de continent. On va retourner là-bas, déplacer l'unité Ce vers. tour est terminé. Ce tour est terminé. Ce tour est terminé. Oula! Elle a pris cher la formation. Ce tour est Bon. terminé. Donc ouais, donc je me suis fait attaquer par un... Ce tour est terminé. Ok, juste un truc là, t'en es où là toi? Réservoir de recyclage? Ouais, on peut peut-être Confirmation l'accélérer. demandée. Est-ce que tu peux... Non, tout bon, ok. Production terminée. Un capteur Ce solaire, ok. tour est terminé. Pour l'énergie. Ok, ma capsule colonie. Allez, B. Station de surveillance. Ok. Le laser exploité. Énergie insuffisante. Ouais, évidemment. De toute façon, Ce on va voir ce tour que ça est donne. terminé. Ce tour est terminé. Ah, sœur Myriam. Bah, elle sort d'où, elle? Bon. Oui, passez-la moi. Alors, bienvenue, Prévôt MDG Normandie. Je suis à présent sœur Myriam et je suis la porte-parole de la faction Dévot, dont le but est d'apporter la vérité des Écritures du Seigneur. Je constate que vous et vos serviteurs êtes épanouis dans cet univers impitoyable. Ok, ouais. Avez-vous parlé avec Lal récemment? Oui, je pose sa communication, ça, y a pas de souci, ça je peux te la filer. Je dois vous avertir que j'ai réalisé un prototype 2-1-2. La reconnaissance tout terrain, d'accord, ok. Ouais, vas-y, commence tes menaces tout de suite, c'est sympa. Alors, il me semble que vous cachez des informations scientifiques en violation avec la Charte des Nations Unies. Non, pas du tout. Veuillez me transmettre immédiatement les fichiers de la technologie Doctrine Flexible. Si tu payes. Désolé. J'ai beaucoup prié pour vous ces derniers temps. Faut garder tes prières pour toi. Le Seigneur souhaite que nous vivions côte à côte comme frères et sœurs. Nous devons signer un traité de paix pour l'adorer ensemble en paix. J'ai envie de dire, votre fanatisme me donne des frissons, mais bon, un traité de paix, ça se refuse pas, quoi. Ok, excellent, MJ Normandie. Ce traité démontre que cette planète est suffisamment grande pour vos recherches et pour mes principes bibliques.
je vais vomir. Non, je plaisante, hein, j'ai été élevé moi-même dans la religion chrétienne, hein, mais voilà ce que je pense de la religion. Il ouvre également les portes aux échanges, au commerce entre nos peuples. Ah oui, bah, le commerce, évidemment, on va pas cracher dessus non plus. Que l'amitié qui unit la faction universitaire et la faction dévo dure à jamais. Oui, si tu veux. Traité, commerce, énergie. Rien à ajouter. T'aurais pas les fréquences des autres par hasard. Lady d'aide. Non. Morgane. Non. Les Spartiates. Non plus. Bon bah vas-y, est-ce que tu as Yang? Non plus. Tu veux mettre fin à la conversation, je suppose? Voilà. Ok. Ok. La forêt continue à se développer. C'est cool. Ça veut dire que les plongeuses vont nous emmerder. Ensuite, donc, fin du tour. Génial, on peut développer les Laser Squad en Impact Squad. Ah, c'est cool. Il y a deux sortes de progrès scientifiques. D'une part, l'expérimentation et la catégorisation méthodique qui repoussent progressivement les limites de la connaissance. Et d'autre part, le jaillissement révolutionnaire du génie qui redéfinit et transcende ses limites. Reconnaissant notre dette envers les premières, nous nous languissons néanmoins de ce dernier. Académicien Prokhor Zakharov, discours au corps enseignant. Ouais, vas-y, montre-moi ce que t'as. Donc, les mathématiques non linéaires hein, qu'on a développées. Ouais, donc les Impact Squad, ça merci, tu viens de me proposer de développer. Les Impact Squad batterie, on n'en veut pas. Okay. Ça, à mon avis, je dois oublier d'appuyer sur appliquer. Alors ça, moi je veux les améliorer. Énergie bien. Insuffisante. 140 et 65. Ok, non. Wow, je pourrais rester bas. Allez, hop, on a fait. Ce tour est terminé. Ce tour est terminé. Ce ouais, tour est terminé. Alors lui on va le changer lui parce que je sens qu'on va pas tarder à arriver sur la... Ah tiens, capsule récupérée. Ah génial, j'ai récupéré une unité tout terrain, c'est elle qu'on va envoyer plutôt rouler parce que sinon... Parce que l'autre il commence à être lent et il commence à m'énerver. Déplacer une unité vert, voilà. Et lui on va l'envoyer vers la base universitaire pour protéger. Voilà. Production terminée. Ah. Ok, impact d'infanterie. Projet ennemi déclenché. Ok, quelqu'un a déclenché le paradigme météorologique. On en est où nous avec le monde virtuel? Énergie insuffisante. Ok, on va payer en partie, on s'en fout. Ok, dans 7 tours, c'est bon. Ce tour est terminé. Production terminée. Ok, on a encore une Caps colonie. Où est-ce qu'on peut la caser? Non, là-bas, on va empiéter sur Frère Lal et ça va un petit peu gêner nos diplomaties. On va se caser dans la forêt là. Ouais, ça peut le faire. On va se caser là-bas. Ici, ça me paraît bien. Allez. C'est pourquoi un prince sage recherchera les moyens pour que ses sujets aient toujours et dans toutes les situations
besoin de son gouvernement, et ainsi, ils lui seront toujours fidèles. Nicolas Machiavel. Ok, excusez-moi, donc vous avez juste pas entendu le prince qu'ils ont donné, hein, parce que j'ai vu que mon enregistrement était en train de se terminer. Ok, de toute façon, je pense que c'est la dernière partie de cette vidéo. Les 10 dernières minutes, j'ai un doute. Non, ça tu me mets obsolète, t'appliques. Ok. Ce tour est terminé. Ok. Juste, je regarde juste à combien de temps on en est là. Une seconde. Eh ben oui, on est à 30 minutes, donc bah écoutez, ben voilà pour le second épisode. Donc on aura découvert pas mal de recherches, on aura découvert Sœur Myriam, on aura eu quelques bases en plus, on aura créé deux bases et la troisième est en cours d'envoi. Donc voilà, et ben écoutez, on progresse. Donc sur ce, ben j'espère que ce second épisode vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt.